Bonjour à tous, bienvenue sur la 10e édition du Beaver Trail. Cette année, il y a 4 parcours. Un 13 km avec 380 mètres de dénivelé positif, un 23 km avec 830 mètres de dénivelé positif, un 40 km avec 1530 mètres de dénivelé positif. Et la nouveauté de cette 10e édition, c'est le 62 km avec 2100 mètres de dénivelé positif. C'est celui-ci qui sera mis en avant dans ce reportage. Julien va participer à cette compétition sur son intégralité et il va nous dire son ressenti à la fin de ce reportage. Quant à moi, je serai sur le parcours avec mes caméras embarquées pour vous faire vivre cet événement de l'intérieur. Sur la droite, Roumier Productions qui vous fera vivre l'événement du ciel avec son drone. Et Lamia sera après Colias pour vous faire vivre l'événement de l'intérieur. Ça fait plaisir de pouvoir reprendre le micro et de vous accueillir à Pouls pour cette 10e édition. La météo en prévision, c'est du soleil, une dizaine de degrés. Un terrain qui sera sec en deuxième partie de journée, mais qui est actuellement est très glissant. Allez, on fait le saut. C'est pas belle la vie. Ils viennent du bout du monde importante avec wow. Une idée vagabonde en reflet de ciel bleu. De mirages, ça va Pascal. Ça va toi. C'est le temps. Des pays inconnus et des terres étéolories presque nues. Sur les plages, moi qui l'ai connu toute ma vie. Que le ciel du nord. Allez, bonne course à tous. The sight is frightful, and the fire is so delightful. And since we have no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Alors nous sommes au kilomètre 20 au village de Cernac, où les bénévoles sont présents depuis 5h30 du matin. Bonjour. Et on les remercie parce que sans bénévoles, pas de course. Hein. Et donc tout est déjà prêt, le premier il va pas s'arrêter là. Je pense pas. C'est les fusées. Oui, c'est les fusées. Tête de course. Allez, bravo, attention. Bravo, bravo. Marche. Ça va, ça? Non, à droite. Bonjour, si vous voulez. Un peu d'eau. Where's the next point? Ça sera à gauche, à gauche. Hein. Attention, on trouve à la marche. Bravo, attention, descendez sur votre gauche. Sur votre gauche, attention, ça descend. Ok, marche. Bravo. Merci. Attention, marche. Merci, bon, tout droit. Allez, tout droit. Vers moi, ouais. Allez-y, ouais. Juste... Allez, vas-y. Tout droit, descend. Et il y a les escaliers en face. Ouais. Allez, vas-y, en face. Les escaliers. Merci. Allez, bravo. Bonjour. Allez, bravo. Bonjour. Bravo. Première féminine. Oh c'est encore pas fini. Premier habito, bravo. De l'eau, des barquettes, vous choisissez. Non, c'est bien, ça va aller. Ça allait, ouais. Tout est bon, l'eau, ouais, c'est bon. Il y a 13-14 km pour le prochain à Colias. Hein. D'accord.
Et ici, on a le tunnel qui débouche. Regardez comme c'est beau, ce lever de soleil. Juste sublime. On va attendre la première féminine là que j'ai vue au ravito. Et on va partir avec elle. Allez, bravo! Il y a le podium là, féminine là. Eh oui, je le vois. Elle a un bon de compagnie là. Regardez la vue là, qu'on a. Ouais, ouais, super. C'est beau, hein? Ouais, super. Ouais. Allez, bravo. Merci pour tout. Allez, je te suis un peu. Je suis en train de manger. Ah oui. Mange en courant, bah dis donc. Ouais. C'était comment le terrain? Il était glissant? Ça va. Sur cette première partie? Non, ça va. Allez, maintenant direction le pont du Gard. À partir de maintenant, on va en prendre plein les yeux. Allez, courage. Bonjour. Par là. Bonjour. On va prendre une photo, non? Les bénévoles, toujours avec le sourire. Ouais. Hein, c'est beau, hein, ça fait plaisir à voir. Hein. C'est un sourire congelé en fait, il bouge plus là, il est figé. Non, c'est bon, c'est le pire. Si on veut bien une photo après. Ouais, allez-y. Tiens. Encore un matin, sans raison ni fin, si rien ne trace son chemin. Matin pour donner ou bien matin pour prendre, pour oublier ou pour apprendre. Matin pour donner, maudire ou mépriser. Deuxième femme, je crois. Ouais, c'est quoi de femme? Allez, bravo. Merci. Allez. Ça va? Ouais, toi? Oui, ça va. On s'est perdu, mais on s'est retrouvé, donc c'est très bien. La merde. Ouais, c'est pas grave. Putain. Tu t'as pris en haut à gauche? Oui, c'est ça. Ah, bon. C'est pas grave. Il y a deux femmes qui sont pas loin devant. Devant? Ouais, d'accord. Je peux les rattraper. Ok. Allez, bon courage. Hein. Merci. Pour l'instant, ça va. Ça va. Ça fait chaud, mais là, mais bon, on est bien, c'est bon. On a passé la nuit, c'est bon. Bon, elle était courte, la nuit, hein. Ouais, non, mais... On a passé le bon départ, là. Ah. Le premier kilomètre. C'est ça. On va se lever, on va faire le bon. Allez, bon courage. Allez, ciao, merci à toi. Salut. Bravo. À son rythme, puis ça va passer. Hein. Eh oui. Salut. Salut. Ah, voilà, première vue du pont du Gard. C'est trop beau. Bon, bah maintenant qu'on est là, on peut faire demi-tour. On a vu ce qu'il fallait voir. Voilà. Mais attends, faut passer dessus quand même. Ah ouais, on passe dessus. Je savais même pas. Ouais, le pont du Gard en face, au bout là. Merci. Allez, bon courage. Là. Regardez, allez bravo. Merci. Ah, je vous filme au plus beau endroit, regardez quand c'est beau. Super partout, hein. Un petit geste. Ouais. Un petit geste à la caméra. Merci. Allez bravo. Merci. Hein. Bon courage. Merci. Bravo. Bravo, bravo. Yeah. La GoPro filmée avec la GoPro. Yeah. Bravo. Excellent. Magnifique, hein. Oh la vache. Ça, ça envoie, ça. Elle a pas fait 800 bornes pour de la merde. Ah oui, 800 km, tu viens d'où? De Soissons, côté de Paris. Côté de Paris. Ah voilà.
Ça va, le déplacement valait le coup, hein. Carrément. Trop bien, votre parcours. Super, merci. C'est la première fois que tu passes sur le pont du Gard ? Ouais, ouais. C'est une découverte pour toi. C'est pour ça que je fais le trail. C'est ce qui m'intéressait. Super. Magnifique. Bravo à toi. On s'éclate. Super content. Ah, sublime, hein. Un endroit mythique, donc. Merci. Bravo. Ho, ho, ho. Pour la vidéo. Ah bravo. Merci. Vous le faites en trio alors. Ouais, ça va, bravo. Bon, qui c'est le plus rapide? Ah, ça dépend. Au début c'est lui, moitié c'est moi et après c'est lui. En tout cas, vous complétez quoi. Temple Beaver. Bravo. Merci. Allez, bravo à vous. Hein. Ciao aussi, ciao. Et maintenant, direction Colias. Ravitaillement 2. Caché. Je suis pas là. Allez, bravo à vous. Hein. C'est beau, hein? C'est juste fantastique, cette mer de brume. Ah, prendre le temps de profiter. Quand même un peu, ouais. Allez, bonne course, hein? Merci. Enfin, il y a 2 ans, t'avais fait le 40? J'ai fait le 40 il y a 3 ans. D'accord, et là tu t'es dit... Voilà, je me suis dit... Enfin, je me suis dit il y a 1 an et demi parce que voilà, je m'inscris depuis juin 2020. Ah oui. L'avantage c'est qu'il fait quand même super moins chaud que... Je sais pas si quand tu l'avais fait il avait fait chaud. Oui. Mais voilà, quand j'avais l'année que je l'avais fait, purée. Il avait rajouté des points d'eau partout tellement... Ah oui, canicule. Ça cognait, ouais. Là c'est la chance de le faire en hiver finalement. Voilà. Un peu froid au départ mais... Ouais, tu m'as... Merci, bonjour. Et merci aux bénévoles. Qui est un magnifique geste du Beaver Trail. Allez, bravo les gars. Allez. Bon courage. Merci à toi. Hein. Ciao. Ah, il est beau, hein? Oui, c'est l'espagnol. Il est né à Saint-Jacques-de-Compostelle. Oh là là! Et après, il a vécu en Andalousie. C'est bon, ça vous va? Ouais, merci. Allez, bon courage! Salut. Salut. Je suis souple comme le Clermont-Lette. Tu veux que je te filme? Non, c'est pour le reportage de la course. Allez-y, bon courage. Hein. Merci. Ah ben, y'a où? Les encouragements sur le parcours, ça fait plaisir, hein. Ils suivent tout le temps, mes amours, ça va? Romain? Alors, un petit message d'encouragement à papa? Non, mais qui se bouge, ce qu'il fait. Il y a même le chien qui est venu encourager, hein. Ravitaillement de Colias, ravitaillement 2. Et le premier ravitaillement pour ceux qui font le 40 km. Ah, explique-nous, qu'est-ce qu'ils font les coureurs du 60 à partir de maintenant là? Eh ben, ils vont faire une jolie boucle et ils montent jusqu'à la grotte du Figuier pour se faire badger. Puis ils reviennent nous voir pour se restaurer ici. Voilà double ravito, double c'est ravito, la même. Voilà. Et c'est ici qu'il y a la croisée du 63 et du 42. Voilà. Allez,
Allez, c'est parti, on va faire la boucle avec Roumier Productions qui va faire quelques prises drone. Ouais, on va bien s'amuser, c'est magnifique ce parcours, magnifique. Allez, go. Allez, allez. Ah, tu le filmes ? Eh oui, je filme que les célébrités. Waouh, c'est gentil, merci. Ah, mais tu me filmes, hein ? Encore ? Ah oui, vas-y, que les stars. And I bought some corn for popping. And then on the way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight. Oh, I hate going out to the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying. And my dear, we're still goodbying. And see the let it snow, let it snow, let it snow. Merci. Joyeux Noël. Bonjour. Allez. Bonjour, non. Je fais le reportage. Ouais, d'accord. Ah, vous faites le badgeage. Voilà, c'est ça. Vous contrôlez qu'ils font bien leur boucle de 6 km. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ça se passe bien là. Et puis il y en a qui prennent des photos, pas mal. Ah oui, c'est joli. En plus, c'est magnifique. Ouais. C'est le meilleur coin de bénévole, ça. Ouais, tout à fait. Le paysage. Tout à fait. Ça a été vraiment bien. Les gars sympas et tout, bonne ambiance. Ça fait, voilà. En tout cas, merci à vous et à tous les bénévoles. Et encore une fois. Merci, bonne continuation. Attention, ça glisse là. Ouais, là la descente est bien technique, donc faut être très prudent. Parce que la chute est impardonnable. Ouais, ça se passe bien? Ça va. Là, ça y est, ça commence à être intéressant. Ah, c'est beau, hein, oui. Commence à être dans le dur, là. C'est intéressant. Non, c'est bien, là. Et le paysage est... Le paysage est génial. C'est un peu plus technique, c'est cool. Bon, j'ai pas croisé beaucoup de filles, hein. Ah, bah, elles sont derrière. Ouais, il n'y a pas beaucoup, oui. C'est pour ça qu'on essaye de les mettre en avant aussi dans les vidéos, hein. Vous en prenez plein la vue? Ah bah ouais, quand même, hein. On va pas se plaindre. Toi, tu sais pas sauter? Non, bah alors vas-y. Allez, 1, 2, 3. Voilà. Voilà. Ça va, ça se passe bien là, je suis content. Ouais, c'est mon premier, mais ça va. J'attends vrai, hein, vraiment. Allez, on retrouve le ravitaillement de Colias. Où on retrouve notre ami Julien qui a décidé de s'arrêter. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, Juju? Problème de genou. Oui. Inflammation sur mes deux genoux. Ce qui semble m'arriver assez souvent quand je cours avec différentes températures et de l'humidité. Ouais. Et je le ressens Au niveau des genoux. Alors, ton avis sur cette nouvelle portion que le Beaver Trail nous propose, hein, justement? Eh bien, une vraie belle découverte, puisque c'est un morceau que j'avais pas fait, puisqu'il ne faisait pas partie du 45 en 2018. Et donc, ouais, un vrai bel itinéraire avec des petits passages au ras de l'eau, au ras du Gardon, des passages en crête où on a vu un super lever de soleil ce matin. Donc ouais, vraiment quand même extrêmement content d'avoir pu aller au bout de ces 32 bornes, même si je finis pas. Donc voilà, je quitte Colias, Pascal m'a passé le relais et je vais jusqu'au ravitaillement 5 à La Baume. Allez, c'est parti. Allez, bravo. Pour plaisir quand même. Ça va, ça a été? Ouais, ça va. Un petit peu mal à dos, donc
difficile à chaque arrêt de reprendre un petit peu, ça gratte la gorge. Mais on profite de la météo, on profite du paysage. Magnifique. On profite des jolies rencontres. Toujours des belles rencontres dans les trails. Ah ouais, dans les trails, puis dans toutes les rencontres sportives en général, de toute façon. Bon, si le paysage t'a plu, il faudra faire le 60 l'année prochaine. Je te préparerai quand même avant. Pour le pont du Gard. Ouais, c'est clair. Bon, allez, bonne course. Merci. Souriez. Vous êtes filmé. Tu fais le 60? Ouais, je fais le 62. Ouais. Ça va? Comment t'as trouvé la course? Ouais, excellent. Super. Bon. Pour l'instant, tout va bien? Pour l'instant, tout va bien. Voilà. C'est la première fois que tu fais la course? Ouais, carrément. Je reviendrai. Ah, super. Très, très beau et super mentalité. Super, génial. Bonne course. Merci. Pour l'instant, vous êtes bien. C'est vrai. Vous avez pas vu. Ouais, non, voilà. Ah, vous avez vu le contrôle radar, vous êtes arrêté. J'ai vu. Allez, il est caché. Bravo, bonne course. Merci. C'est moi. J'ai pris la relève à Colias, donc c'est pas depuis longtemps. Mais je vois que tu cours plus vite que ton camarade de cette nuit. Ah, merci. C'est pour la vidéo que je dis ça. Ça, donc je suis plus rapide que Julien. Ah mais bien sûr, non, mais galérer de nuit, t'es dans la difficulté. Allez, bravo. Bravo. Et on continue. Hey. Bravo. Souriez, vous êtes filmé. Exactement. Bravo. Et bonjour et bonne course. Vous souriez, on est filmé. Exactement. Oh, ils ont pris un rallongi. Des petits détails. Moi, ma poche en haut, c'est quand même pas que c'est mieux. Bonjour. Lavage. Faites bien attention. En plus, en montée, je me suis dit, c'est là en descente, c'est pas con. C'est clair. Et bonjour. Bonjour. Non, moi les chutes je garde, alors faut pas tomber. C'est, hein. C'est pour les bêtises. Exactement. Bravo. Merci. Oui, bravo. Alors, belle journée pour une balade dans les collines, non? Génial. Surtout avec un genou cassé. Ah, mince. Ah, oui. Courage jusqu'à la fin, alors. Galère. Tranquille. Alors, content de cette journée? Oui, il fait meilleur que tout à l'heure. Hein. Ah ouais, là on est mieux. Ce matin. Merci à vous. Bravo aux bénévoles. C'est gentil ça. Oui, je suis partout. Je suis Wonder Woman, c'est pour ça. C'est ça. Et en musique. Merci, merci les bénévoles. Ouais. Départ du tronçon Strava, Lacala, 600 mètres avec 100 mètres de dénivelé positif. Go. Le tronçon Lacala, ben il est pas roulant. Putain. Il est plutôt glissant. C'est le seul qui est pas roulant. Oui. Alors ça va être difficile de faire des chronos. Ouais. On est d'accord. Ouais. Et merci. Allez, courage. Vas-y, le meilleur, le plus facile. Hein. Ah ouais, mais les gens dans l'effort, c'est le meilleur. C'est le mieux.
Allez, dans le tronçon La Cala, une petite partie à escalader avec une corde. C'est bien. Allez, vous avez fait le plus gros là. Bravo. Fin du tronçon, qui n'était pas facile. Alors, ces 600 derniers mètres, ils étaient comment? Compliqué. Allez, bravo. Ils étaient gentils, hein. Oui, oui. Plusieurs jolis passages dans les forêts, dans la forêt. C'est facile. Non, je mens. Ça y est, dernier ravito. Dernier ravito, super parcours. Dernière ligne droite. Dernière ligne droite, on va tout donner. On est au top, il reste un peu de jus, nickel. Super. Ouais. Alors comment ils vont les coureurs? Ils vont pas mal, tout à l'heure. Alors toi, c'est la descente de la boucle que vous allez faire. Là. On voit les coureurs qui descendent. Et après, bah, direction Poux. Bon, on est pas voilà. Pour écailler les poules. On retrouve Lamia qui était au ravito 5. Là, comment il s'appelle? La Baume. La Baume. Allez, c'est parti pour cette dernière boucle. C'est trop bien. Allez, bravo. Ça tire. Ouais. Du jour du style. En quoi? Dans 300 mètres, on a un défi Strava. Donc de 75 de D+ sur 510 mètres. Voilà, le départ se situe ici. Rémi va tenter de battre le record mondial de ce défi Strava. 3, 2, 1, go! Je vous aime! Adieu! C'est ils ont mis une palette pour que tu l'utilises. Oh, c'est sympa. Regardez, alors gars, ils vous aident. Ils ont vous ont mis une palette pour vous aider à monter. C'est gentil, hein, franchement. Ouais, je viens de me planter, je suis allé tout en haut. J'ai loupé l'intersection. Ah, mais ça, c'est quand on aime le D+, on en redemande. Hein. Ouais. C'est ça. Alors, Rémi, ce défi Strava, il était facile? Costaud. Première partie, ça, c'était bien, bien raide. Et puis forcément en donnant tout comme un couillon en bas, tu arrives sur le faux plat un peu roulant, tu te dis que c'est facile quand tu essaies d'accélérer. C'est... Les jambes elles disent non. La tête elle dit vas-y, les jambes elles disent non. Mais c'était sympa. Et le soir, autour d'un feu de camp, on rêvait d'une maison blanche, en chantant qu'il est long, qu'il est loin, ton chemin papa. Ça te dure. Hein. Ah, il reste 2-3 km, apparemment 2 km. Ouais. J'espère. Ouais. Ouais, bon courage à toi. Merci. De rien. Ça fait rire les oiseaux, mais wow. Ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait rire les oiseaux. Oh, wow. Les oiseaux. Ça fait